Donc voilà. Et apparemment, quand on est dans nos heures, ce qui se passe ici est arrêté. Donc, j'ai toujours en nuit et que je n'ai eu que 7 de stone en prime. Donc je sais pas si le temps s'arrête réellement, ou si c'est juste ralenti. Mon avis, ça doit être arrêté. À confirmer. Bloc par bloc, je risque pas d'y arriver. En plus, je voulais me faire un abri là-bas, donc c'est râpé. Là, je me suis, mais alors, pas, voilà, pas du tout à l'abri. Là, c'est une poule. Allez, foutu, les chocottes. J'ignore l'heure qu'il est. Alors, donc étant donné que j'ai récupéré la Netherrack, je vais pouvoir vous faire une démonstration. Netherrack à ne pas utiliser si vous avez des loups. Tout simplement parce que les loups, en sautant près de vous, ils sautent dans le Netherrack et ça fait très con. Même chose si vous avez des captifs, hein, évitez les loups. Vous pouvez vous faire lâcher. Alors la priorité aussi ça va être de reboucher ça parce que au moins sur deux parce que comme vous pouvez le deviner les araignées peuvent passer et ça serait pas cool. Enfin pour moi je parle parce que pour vous. Parce que ça vous plairait. Je suppose que vous êtes en train de vous poêler de rire à chaque fois que je meurs. Et vous, vous dites que c'est assez rare et que vous l'appréciez d'autant plus. Ah ouais, voilà, c'est peut-être pas mal hein, ce que je fais parce que quand je serai à l'intérieur, je n'aurai aucune visibilité. Ça va peut-être que j'envisage de mode d'hiver. Excusez-moi, parfois j'ai 2-3 crashs en fait du jeu. Là je viens d'avoir un petit crash donc je sais pas du tout si ça se verra sur la vidéo. J'ai pas trop mal perdu. Donc voilà. Je vais faire un truc quand même. C'est pas dans mes habitudes. Mais surtout que je n'ai pas les ressources nécessaires. J'ai le signe. Oh non, c'est pas possible. Là, je touche vraiment le fond. Et ouais.
Quel con, mais c'est pas possible. Enfin, je vais l'user. Donc il faut de la cobble. Mais une cobble me suffit en fait. C'est tout simplement ça. Ah bah d'habitude je dis que je suis béni de Dieu. Mais là je suis désolé, mais là j'ai vraiment pas de chance en ce moment. C'est qu'aujourd'hui j'irai gratter un ticket de loto. Hein. N'empêche que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je me suis fait quand même exploser ma maison. Je suis mort dans le désert, j'ai perdu tout mon équipement en iron. J'aimerais vous montrer la maison reste quand même. Donc pourquoi pas. Donc il faut du sable. Donc je pense que je vais faire ça. Vu que j'avais de la mise en rack, je vais m'en servir. Encore pas plus qu'elle soit sectionnée. Donc oui, donc la chose dont je n'ai pas l'habitude, hein, c'est d'utiliser une pelle. Là c'est juste pour gagner du temps, puis sinon on va occuper à plus de ça. Bon. Ah oui, c'est vrai. Toujours cette magnifique neige. Sauf que là, elle est en train d'envahir ma maison. Pas ma maison. Mon bunker. En fait, c'est un bunker. Il est tout noir dans mon bunker d'ailleurs. Ah ouais, je n'ai plus de torche non plus, hein. Vous voyez, hein, ça brûle éternellement, même s'il pleut dessus. Et donc vous l'aurez compris, le verre ne servira à faire l'hiver, parce que quand même c'est tout le temps que je parle de ce fameux verre. Il y a déjà plusieurs fois. Je crois que je vais retourner dans ma mine parce que j'ai vraiment besoin de ressources toujours. J'avais des choses en production. Pourquoi je ne dis pas de faire. Donc j'ignore le rendu. Alors la pluie par contre je sais que c'est horrible. Ouais, ça se voit qu'il est 11h20 chez moi actuellement.
Donc voilà, quand la neige tombe ici, malheureusement, ça désactive votre sauvegarde. Regardez, c'est ça que je voulais. On craque ici. Je suppose que le fond de la cuve va glisser le stylet. J'ai envie de vous torturer un petit peu. Allez, je le laisse. Je sais, je suis chier. Bon, donc je sens qu'on va repartir. D'accord, donc ouais, donc j'avais encore de l'aéron ici en fait. Donc, bien profiter. Au moins on va faire quelque chose de décent. Allez. Donc je ne sais pas si je vais enregistrer un minage. Je pense que je ne vais pas l'enregistrer et que quand j'aurai besoin de vous dire quelque chose ou que j'aurai découvert quelque chose d'intéressant, je vais simplement réactiver la vidéo pour vous expliquer. Donc voilà, donc je vous ai appris pratiquement tout ce que je savais qu'une laser, sinon. Ah non, il faudrait vraiment que je ne sache pas que c'est de la glowstone. Histoire de vous montrer comment ça se porte. Sinon, si je n'y arrive pas, je vous montrerai sur le serveur comment on fait. Voilà. Bon, donc je coupe la vidéo, donc je suis simplement terminé. Dès que je trouve une ressource intéressante, je remets la vidéo quelques secondes. Et puis, bon, bah tout de suite. Bon, donc je viens de changer de stratégie étant donné que je n'ai pas de torche et que je suis en train de m'enfoncer dans les ténèbres. J'ai peur que les monstres spawnent, donc je vais changer de tactique. Donc je vais vous expliquer. Je vais retrouver l'endroit où j'avais de la lave. Vous vous souvenez, là-bas tout au bout. Voilà. Donc on se rejoint tout au bout.